Mesdames et messieurs, la campagne électorale a bel et bien commencé. Quel est le candidat à la présidence qui offre mieux pour bel et bien diriger le pays pour les 5 prochaines années? On va s'apesantir sur 3 secteurs, secteur de la sécurité, le social et la lutte contre la corruption. Dans ces secteurs, qui est le candidat qui offre mieux? Comme vous le savez, les candidats ont déjà présenté leur projet de société. Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi n'a pas encore présenté. Mais Fayoulou et les autres, c'est Sanga, ont déjà présenté. Mais qui offre le meilleur projet de gouvernance pour les 5 prochaines années? Voilà, les seuls sujets de l'émission reçoivent 2 personnalités politiques et non de moindre. Vous allez les découvrir sur ce plateau. C'est avec eux que nous allons donc échanger autour de cette thématique. Alors, M. Jean-Félix Senga, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la coordonnateur plutôt de la COEL. C'est la coordination des opérations électorales de la MUCA. Vous avez été l'un des délégués de Martin Fayoulou en Afrique du Sud. Vous êtes rentré, je crois, il y a plus ou moins une semaine déjà à Kinshasa. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites par rapport à cette rencontre d'Afrique du Sud. On va le découvrir tantôt avec vous. Monsieur Freddy Moulumba, bienvenue également. Vous êtes chercheur, vous êtes cadre au RDT, Rassemblement des démocrates tshisekédistes, dirigé par monsieur Sylvain Moutombo, une plateforme de l'Union sacrée de la nation. Merci beaucoup de prendre part à ce débat. Alors, Monsieur Jean-Félix Senga, je commence directement avec vous. En Afrique du Sud, où vous étiez, pouvez-vous nous donner les détails par rapport à tout ce que nous avions suivi? Il y a eu des informations recoupées par certains de nos confrères qui nous ont rapporté qu'on vous aurait obligé, vous, délégation de Martin Fayoulou, de présenter les excuses à ceux des autres candidats à la présidence pour que, justement, vous puissiez finalement repartir sur les bonnes bases et faire votre travail. Qu'est-ce qui s'est passé exactement en Afrique du Sud? Bon, c'est en Afrique du Sud, nous y sommes rendus sur invitation de la fondation Kofi Annan et ITIA. Ils nous ont invités parce qu'ils avaient le souci, à mon avis, de nous aider à réfléchir de sorte que nous puissions avoir ne serait-ce que une alliance qui surveillerait la transparence du processus électoral. Eh bien, c'est la raison pour laquelle ils nous ont invités. Et ils ont dit, éventuellement, si jamais on pouvait avoir ce front commun pour surveiller le processus, est-ce que ce ne serait pas non plus possible qu'on puisse avoir, ne serait-ce que les critères pour avoir un candidat commun, pour avoir un programme commun de gouvernance et enfin avoir un ticket, si c'était possible. Nous avions dit tout cela était possible, était faisable. C'est ainsi que le premier jour, c'était le lundi, quand nous sommes arrivés le matin, à 14h30, nous avons démarré le travaux. Nous avons travaillé de 14h30 à 17h30, sans problème. Nous avons pris une pause, nous sommes rentrés le soir. Donc, nous avons on a fait le bush, hein, le canevas, comment les travaux devaient se faire. On nous a même scindé en 2 groupes, un premier groupe qui parlerait de ceci, cela, deuxième groupe, ainsi de suite. Tout a été fait le premier jour. Et on nous a même orienté, placé dans le groupe, que les travaux devaient commencer. On avait même déjà dans chaque groupe désigné le président et le rapporteur. Tout a été fait et les travaux devaient déjà commencer. Et nous les avions commencés. Nous sommes partis. Le lendemain, mardi, nous revenons. Quand on devait commencer les travaux, nous avons vu le doyen Moleka, Albert Moleka, demander la parole pour demander aux étrangers qui étaient dans la salle s'ils pouvaient libérer la salle, qui nous laisse d'abord, nous, Congolais, que nous parlions entre nous. Mais à ce moment-là, nous, on était surpris, on ne savait même pas de quoi, nous, Congolais, on devait parler. Ils sont sortis,
quand ils sont sortis, il dit qu'il y a un souci ici. Nous aurions voulu détendre l'atmosphère, c'est-à-dire ce qu'il y a comme problème, il faut qu'on le pose et qu'on le résolve de sorte que nous continuions nos travaux sans problème. Je passe la parole à Franklin Tchamala qui était le mandaté de Matata. Oui. Quand lui prend la parole, il dit au nom de son président de LGD, donc au nom de M. Matata, lui s'indignait, il ne trouvait pas comment eux pouvaient travailler ensemble avec les délégués de Martin Fayoulou. On a posé la question, pourquoi, qu'y a-t-il? Il dit non, parce que quand M. Fayoulou a été au Kwilu, lors d'une interview, il aurait dit que lui, il ne peut pas composer avec des voleurs patentés. Donc, il nous a traités de voleurs patentés. Ah bon, on a été surpris, dit, mais tiens, comment? D'abord, quand vous suivez l'interview là, il ne cite les noms de personnes et quand vous êtes dans le contexte, je vois mal comment les Matata et autres peuvent s'attribuer ce propos-là. On ne comprend pas. Il dit, et même alors, nous avons été ensemble à Kinshasa, vous aurez dû poser le problème comme ça. On voit ici, il y a des anicroches, on le résout à Kinshasa. On arrive ici que de présenter bien un mauvais spectacle aux étrangers. Il dit, non, nous ou bien votre candidat présente des excuses aux nôtres, ou bien on ne travaille pas, ou nous retirons, vous continuez les travaux seuls. Directement, je vois les gens de Katumbi dire aussi, non, nous les appuyons aussi. Je dis, mais je ne comprends pas. Et admettons qu'il ait parlé des voleurs patentés. Peut-être les gens de Matata, vous n'avez pas été... Il s'agit de quand? Voleurs patentés quand? Voleurs patentés depuis tout le temps? Ou voleurs patentés pour avoir travaillé dans le gouvernement de Fatshi? Et c'est alors qu'on vous a traité de voleurs. Je ne sais pas, situez-nous un peu, qu'on se retrouve, en fait, qu'on résolve le problème. Ils ne nous ont pas situés, ils se sont soutenus. Bref, on ne s'est pas accordé et on a fait venir finalement les étrangers. On leur a posé ces problèmes-là et ils ont dit, mais nous, comment nous pouvons le résoudre? Nous, on ne saura résoudre ce problème-là. Vous aurez dû résoudre ça chez vous. Ils disent, bon, ok, il n'y a pas de problème. On a suspendu les travaux. Ils ont dit, ils ont essayé d'entrer en contact avec les différents leaders pour prendre langue de sorte qu'on harmonise. Eh bien, c'est ce qui se faisait. Nous avons dit, bon, ça va nous... On va connaître du retard dans le travaux. Ils disent, bon, comme les autres semblent ne pas s'accorder avec vous, eh bien, en attendant que nous avancions, nous pensons que on vous scinde en deux. Les autres travaillent ensemble, vous travaillez seulement à deux. Nous avons dit, c'est un, c'est une discrimination, ça n'a pas de sens. Deux, c'est comme si vous êtes dans leur logique, parce qu'on ne peut pas comprendre. Vous aurez dû, en tant que facilitateur, nous mettre ensemble, vous arranger de sorte que les travaux s'effacent comme nous les avons commencé. Mais malheureusement, on nous a scindés. Et les travaux qu'on avait commencés, eux les ont poursuivis et nous les avons poursuivis. Et le jour où on devait rendre compte, ils sont entrés, ils ont rendu compte. Et quand nous, on devait rendre compte, eux, ils viennent, ils veulent maintenant assister. On a dit non. Vous avez fait à 8. Vous avez rendu compte, nous, on était absents. Nous les avons fait à 2. Nous devons rendre compte à ceux qui nous ont invités, pas à vous. Oh non, pourquoi vous ne voulez pas que nous, on participe à vos travaux? Mais parce que nous, on n'a pas participé aux vôtres. Sinon, ça n'a pas de sens. C'est comme ça que ça se passait, jusqu'à ce que les facilitateurs ont dit non, ils ont raison, laissez-les à deux et rendre compte de ce qu'ils ont fait comme travaux. C'est ainsi que nous avons fait le rapport, ils l'ont pris, ils l'ont apprécié. Et je ne voudrais pas entrer dans les détails de ce que les autres ont dit au propos de 8 autres là. Jusqu'à ce que le temps était arrivé pour que nous puissions harmoniser. Nous avons harmonisé.
Et on a fait la synthèse. À ce moment-là, nous étions ensemble maintenant. Mmh. On a fait la synthèse, on a harmonisé, on a adopté les conclusions et on a adopté le rapport général que les facilitateurs devaient envoyer à nos différents mandants. Mmh. Nous avons adopté. Mmh. On se dit maintenant, ils devaient publier, ils avaient aussi un rapport à envoyer dans le média pour que le média sache finalement qu'est-ce que nous avons fait, parce qu'il nous avait été demandé de ne pas communiquer avec le média. Mmh. Quand bien même, il y a des gens qui filtraient des choses, parce qu'on a vu dans les réseaux. Mmh. Eh bien, c'est à ce moment-là, quand il levait la séance, qu'on a clôturé, qu'on a fini, M. Olivier Kamitatou demande la parole. Quand il demande la parole, il dit, non, nous voulions vous proposer que nous voulons signer une attestation des participations à la recherche du candidat commun. Et les organisateurs, et nous les délégués de Fayoulou, on était surpris, on était étonnés, on n'y comprenait rien. Les organisateurs ont dit aux autres, non, nous n'avons pas parlé de ça. Donc nous ne voyons en rien concerné, c'est quelque chose qui vous est personnel, nous ça ne nous engage pas. Ils se sont levés, ils sont sortis de la salle. Bon, dans ces entrefaits, nous, on voit Olivier Kamitatou, il part, il arrange une table et une chaise, il prend le papier, il met là-bas, il dit, commençons à signer. Ils ont fait un papier, sur le papier, ils ont mis 4 noms des gens qui devaient signer pour engager leur regroupement. Nos noms, nous de la Mouka, n'y figuraient pas. On n'a pas mis nos noms. Donc nous étions déjà de considérer. Alors, j'ai vu les gens défiler, les gens de Sessang ont signé, les gens de Mukwege, les gens de Katumbi et les gens de Matata. Ils ont signé. Et après, nous, sur place, M. DeVos pose le problème. Bon, ce document ici, il n'est pas officiel. Mais pourquoi vous... Il dit non, il est interne, on ne va pas le publier. Ils ont juré qu'on ne va pas le publier. Je prends M. Albert Moleka à témoin qu'on ne va pas le publier. Mais quand, avant qu'on arrive à Kinshasa, on l'a trouvé déjà dans les réseaux. C'est ainsi qu'on a dit que c'était des mafioses, c'était de l'escroquerie politique en Afrique du Sud. En résumé, c'est ce que je peux vous dire. Vous regrettez d'avoir pris part à ces travaux? Bon, je crois que nos amis ont fait perdre du temps aux organisateurs et à nous. Merci beaucoup pour ces équivoques que vous avez levées finalement, M. Jean-Félix Senga, parce qu'il y avait toutes les informations qui circulaient autour de ça. On était en train de critiquer Fayoulou qui était opiniâtre, qui ne voulait qu'être lui seul candidat unique de l'opposition. Il y a beaucoup d'informations qui ont circulé. Finalement, nous les médias, on était un peu aussi dans le... On ne savait pas quelle était l'information. Merci beaucoup d'avoir donné ces faits. Je pense que c'est maintenant bien clair. On va... relayer l'information, parce que ça vient des bonnes sources. Merci beaucoup. Alors, M. Fedim Lumba, un petit commentaire par rapport à ça? Mais un grand commentaire, pas un petit commentaire. La fois dernière, je vous ai dit qu'il y avait les matchs aller. C'était à Genève, avec la fondation Kofi Annan. Mm. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe n'ont pas joué le jeu. Ils ont refusé. Ils sont rentrés à Kinshasa. Aujourd'hui, Félix est au pouvoir. Donc, je peux dire les camps de la patrie. Ce qui s'est passé en Afrique du Sud, je pense, mon frère a bien expliqué. C'est le match retour. On voulait faire ce qu'on a fait à Genève. Voilà encore un échec. Donc, ça signifie qu'au Congo, il y a encore une élite qui est très consciente. On peut avoir des amis, mais quand il s'agit des intérêts de la patrie, là, on ne badine plus. Je suis très content que notre frère ait parlé de tout ça. Donc, je peux dire que dans ce match retour, le camp de la patrie vient de gagner. Parce que les ennemis du Congo ne sont pas parvenus à les mettre ensemble pour mettre un candidat commun. C'est qui les camps de la patrie, les camps des ennemis? Bon, je pense qu'avec le président Fayoulou, je pense que notre frère a bien parlé. Là, très clairement, il a dit la vérité aux Congolais. Que ce qui se passe là-bas, c'est pas seulement pour nos intérêts. Il vient d'expliquer ici parce que président Fayoulou avait traité M. Matata de voleur patenté. Ça était à la base de leur division. Mais c'est très profond. Bien que le président Fayoulou a dit la vérité, ce n'est pas du mensonge. Hein, Matata n'a pas un bon passé. Hein, on verra ça après l'élection. Donc, pour comprendre un peu, je vais entrer maintenant en profondeur.
Kofi Annan, c'est qui? La fondation. Quand Kofi Annan était secrétaire général des Nations Unies, il a permis aux globalistes, aux hommes d'affaires, d'infiltrer l'ONU. Ils ont signé un pacte mondial pour que les entreprises puissent aussi travailler avec les Nations Unies. C'était la toute première fois. Donc c'est Kofi Annan qui est le premier à introduire les loups dans la bergerie. Deuxième élément, Kofi Annan termine son mandat. Il est devenu administrateur du Forum économique de Davos. Qui dit Davos, ce sont tous les globalistes, toutes les entreprises qui font une sorte d'organisation des hommes d'affaires, des industriels et des financiers, parmi lesquels on trouve les Soros, on trouve Ibo, qui c'est les Soudanais, Moïbrahim. Il y en a beaucoup. Et c'est l'argent ou rien. Sa fondation a joué CG en 2018. Mais les opposants avaient refusé. Ce que dit Kamere sont rentrés. Mais il ne faut pas oublier l'Afrique du Sud. C'est là où se trouve la plupart des miniers. Donc d'entreprises minières qui ont leurs intérêts au Congo depuis l'état indépendant du Congo. Donc ces entreprises, ces miniers n'ont jamais accepté un Congo indépendant. N'ont jamais accepté un président, un chef d'État. Ils préfèrent avoir ce que je peux appeler un gérant. Quelqu'un qui gère leur entreprise Congo et qui les rende, comment dirais-je, rapport. Donc nous sommes en train de C'est quoi le lien avec cette rencontre avec les opposants? C'est quoi entre les mines J'ai dit ceci. La plupart des entreprises minières qui sont chez nous sont sud-africaines ou bien anglo-saxonnes. Ces entreprises minières, ils ont travaillé, signé des accords avec le pôle 2 de concession. Et la plupart des concessions sont arrivées à la fin entre 1990 et 2001 et 2011. Donc c'est à peu près 9 ans. Pour eux, il faut continuer avec cette politique de concession. Donc c'est leur mine. Donc la guerre que nous connaissons ici, ils veulent récupérer ces mines. Mais là, ce sont les opposants qui se sont retrouvés là-bas. Quel est le lien entre le pays et les mines, tout ça? Je comprends pas. Essayez de faire un lien, s'il vous plaît. Oui, les plaies, donc. Il y a une entreprise, une association, une ONG sud-africaine. Vous pensez que ce sont des hommes d'affaires ou bien ce sont des hommes politiques? Derrière, il y a des gros intérêts. C'est que nous oublions qui chasse ça. Le problème, c'est avoir quelqu'un au Congo qui va gérer le Congo pour leurs propres intérêts. Donc ce qui nous manque, c'est faire ces liens que tu parles de liens là. Nous ne parvenons pas à faire ces liens. Les Sud-Africains et les globalistes, donc quand je dis Sud-Africains, les hommes d'affaires, les miniers, veulent mettre la main sur les mines au Congo. Il ne faut pas qu'ils les perdent. Donc, ça, le lien que je peux faire. L'autre élément que je voudrais expliquer, on a tendance à oublier que le papa de Kofi Annan était un franc-maçon. C'est lui qui a fait tomber, avec des amis, ils ont fait tomber le président ghanaïen, l'ancien Kwame Nkrumah. Il a été chassé du pouvoir. Son papa était parmi ces gens-là. Et il était contre Kwame Nkrumah. Donc, je ne suis pas surpris de voir que Kofi Annan joue un jeu contre l'Afrique. Donc, ceux qui sont allés en Afrique du Sud, ceux qui ont signé aujourd'hui, vous voulez dire qu'ils ont garanti des intérêts à ces groupes sud-africains? Non, c'est pas. Je pense que notre frère connaît beaucoup de choses, on ne peut pas le dire sur la place publique. Un problème, c'est la question d'intérêt, c'est une question minière. Rappelez-vous ce qui s'est passé à Genève. C'est toujours avec la fondation Kofi Annan qui était derrière Glencore, qui avait tout financé. Qu'est-ce que Glencore cherchait? C'est contre les mines à Kinshasa. Rien n'a changé. Donc il y a cette manière du capitalisme prédateur qui est resté ancré chez les hommes d'affaires ou bien industriels
occidentaux, sans Notre-Dame. Ce qui explique que depuis la colonisation, ils pensent qu'ils peuvent toutefois nous gérer et avoir des dirigeants à mettre à la tête du pays, et surtout au Congo. La fois dernière, je t'ai dit ici que depuis 1885, le Congo n'apparaît pas comme un État. C'est une entreprise, un marché libre. Les gens peuvent venir faire des affaires. Donc, dans leur imaginaire, le Congo n'appartient pas aux Congolais. Parce qu'ils disent que c'est eux qui ont créé le Congo. Donc, s'ils n'étaient pas à Berlin, le Congo n'allait pas exister. Voilà leur logique. Donc, c'est pour dire qu'il faut que les Congolais prennent conscience. C'est que ce jour ici, ce n'est pas une histoire élection présidentielle ou bien législative. Ça servit du pays. Et j'apprécie l'attitude de notre frère. Ça prouve qu'il y a quand même des Congolais qui sont conscients, qui ne sont pas prêts à accepter certaines dominations étrangères. Nous pouvons avoir nos différents, nous pouvons avoir nos points de vue différents, mais à un moment donné, les intérêts de la patrie sont au-dessus des intérêts personnels et des intérêts des étrangers. Merci beaucoup de votre grand commentaire. Alors, je ne veux pas donner la parole sur cette question. Peut-être que vous allez réagir à ce sujet, ça dépend. Mais nous allons prendre déjà notre premier sujet. On a thématisé notre premier sujet, secteur de la sécurité, secteur social, lutte contre la corruption. Les trois secteurs que nous avons estimés importants pour la République démocratique du Congo afin donc de décoller. Qu'est-ce que Martin Fayulu propose pour la question sécuritaire de la RDC? Non seulement la partie Est, mais de façon globale, parce que l'insécurité, ce n'est pas que l'Est, elle est un peu plus globale. Que propose pour les 5 prochaines années? Les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre sont des potentiels électeurs, sont des électeurs, justement, même à l'étranger ou ici au Congo. Qu'est-ce que M. Fayulu propose-t-il de mieux par rapport à ses concurrents? Non, vous le savez très bien. La sécurité, généralement, quand on en parle, les gens ont tendance à se réduire qu'au niveau de l'armée. L'effectif peut-être de l'armée, on se réduit à ça, on pense. Quand il n'y a pas de troubles ça et là, on se dit qu'il y a la sécurité. La sécurité, elle est trop vaste quand on parle de domaine sécuritaire. C'est vaste, englobe beaucoup d'aspects. Pour moi, tout part d'abord de la vision que vous avez de votre pays, de la vision que vous avez, de l'idée que vous avez. Tout part de votre identité. Si vous savez qui vous êtes, quel est le rôle que vous jouez en Afrique, non seulement en Afrique, au monde, vous serez conséquent pour travailler dans le sens de suffisamment sécuriser votre pays. Le pays, on le sécurise avec d'abord, un, vous devez avoir suffisamment d'informations de ce qui se disent, de ce qui se dit, ce qui se trame contre votre pays, ce que les gens pensent de votre pays, ce que les gens veulent. Le Congo, c'est un des pays le plus convoité du monde. Pour des raisons que vous n'ignorez pas, pour un besoin qu'on y revienne, on dise nous avons des matières stratégiques, nous avons ceci, nous avons cela. Il y a la Chine, il y a les États-Unis, ce bloc-là se bat pour avoir le monopole de ces matières-là. Eh bien, il y a, les gens travaillent d'une manière ou d'une autre. Les uns pensent que pour nous avoir, il faut peut-être nous infiltrer, il faut peut-être nous déstabiliser. Avec peut-être des rébellions, des guerres, on suscite beaucoup de bandes armées au pays qui sèment les désordres. Et tout ça, ça vient de l'extérieur parce qu'eux, ils ont un objectif. Mais là, c'est à nous de nous rendre compte de tout ça et de dire, eh bien, pour pallier, pour parer à tout ça, par à toute éventualité, voilà ce que nous sommes censés mettre comme système sécuritaire afin que nous jouons le rôle qui est le nôtre. Tout part de là. Parce que si on n'a pas saisi cela, eh bien, l'on penserait, comme d'aucuns le disent, non, nous, au Congo, il nous faut, par exemple, 500 000 hommes pour sécuriser le pays. Ce n'est pas faux, c'est vrai. Quand il nous faut 500 000 hommes, nous devons comprendre ces 500 000 hommes, on va le payer comment?
nous avons quel budget pour que cette armée-là soit compétitive sur le terrain. Il va falloir que ce soit des militaires suffisamment motivés, suffisamment formés. Hein? Des militaires d'abord formés, puis motivés. On le motive comment? C'est à nous de mettre sur pied tout un système qui permet effectivement de faire face. C'est ainsi que pour le candidat Fayulu, il pose un certain nombre de préalables. Notamment, il nous faut réellement un état de droit. D'abord. Il nous faut un état de droit. L'on ne peut pas s'hasarder comme ça, on tombe comme un cheveu dans la soupe. Voilà, nous organisons ceci. Non, en 6 mois, c'est carrément impossible. Hein? État de droit suppose une justice qui soit au service de la nation, une justice indépendante. Monsieur Dan. Vous pensez que ça peut se faire Monsieur Dan, si simplement que cela. Monsieur Dan. Il faut du personnel, vous pensez, il faut de l'infrastructure. Le personnel, on en a. Il y a suffisamment des magistrats, suffisamment des gens qui ont été formés, mais qui sont sur la paille, qui ne travaillent pas, mais ils ont été formés, ils ont la technicité, c'est peut-être le recycler et leur offrir aussi des conditions de travail, parce que vous voyez, ici chez nous, la plupart des magistrats ne veulent pas rester en province, ils trouvent que c'est au village, c'est reculé, et ils ne se sentent pas bien là-bas, ils préfèrent tous venir à Kinshasa. Mais quand vous suivez de très près, vous allez même dans certaines localités, ils n'ont même pas de bureau où ils peuvent travailler. C'est là tout le problème. Mais nous pensons que eh bien, il nous faut un certain nombre de préalables qui seraient de fondation. Parce qu'on ne peut pas bâtir sur du sable. On ne peut pas bâtir sur du sable mouvant. Il nous faut une fondation solide sur laquelle on va commencer à bâtir pierre après pierre. Ce qui est aussi vrai, c'est que quand bien même nous sommes pendant la campagne, ce n'est pas un moment où les gens peuvent vendre des illusions aux gens. C'est un moment où les gens doivent, pour une fois, être honnêtes avec notre peuple pour lui dire ce grand Congo et ce grand chantier, pour le rebâtir, hein, il va falloir partir pas à pas. Ce n'est pas en un clin d'œil on aura résolu tous les grands problèmes qui se posent au Congo. Ça, ce serait, je crois que ce candidat qui se permettrait de dire ça, si ce sont des gens sérieux qui le suivent, eux-mêmes vont les disqualifier. Parce qu'il faut un programme, où vous avez des projets qui sont vraiment échelonnés, et vous avez des dates, vous savez, vous connaissez les budgets, vous disiez ce projet, nous le commençons à telle autre date, nous devons l'achever, à telle autre date, nous ferons ceci. Ce sont ces choses-là qu'il faut présenter aux gens, et c'est sur base de ça que les gens devront vous juger et dire: vous avez rempli ou vous n'avez pas rempli. Est-ce que les 5 ans qui ont été les 5 ans du président Tshisekedi, vous pensez qu'il a quand même essayé de bien faire les choses, ou le bilan dans la question? Les 5 ans de M. Tshisekedi, il faut l'avouer, il faut le dire. Quand vous passez à la cité, hein, généralement ce que les gens disent, oui, mais ce pays a été détruit en 18 ans. Comment vous voulez qu'en moins de 3 ans, qu'ils reconstruisent le pays? Ça, c'est ce que les gens disent. Bon, ça, c'est des excuses. Parce que nous sommes convaincus, quand quelqu'un se prétend être à même de pouvoir présider à la destinée de ce pays, c'est qu'il connaît le problème qui se pose au pays. Il le connaît. Ça, c'est un. Et il a des pistes de solutions pour résoudre ce problème. Si il ne connaît pas le problème, il n'a pas des solutions à apporter, ce serait de l'aventure de mauvais goût qu'il est en train de faire. C'est ainsi que quand vous regardez le régime de monsieur, le règne de M. Tshisekedi, il était caractérisé plus par le populisme. Malheureusement, c'est ce qui a été avec Tshisekedi. Moi, j'ai dit, celui qui veut diriger ce pays, tel au niveau où nous sommes, il va falloir, quand il va commencer à poser les premiers actes, les Congolais vont même le haïr. Vont même le haïr, les Congolais vont le trouver. Il aura pris beaucoup de mesures impopulaires qui vont énerver les gens dans un premier temps. C'est au fil du temps que les gens se rendront compte de la quintessence des actes qu'ils posent, du bénéfice qui leur reviendrait. Ils comprendront que non,
Voilà l'homme qu'il nous fallait. Mais M. Tshisekedi, lui, c'était faire des promesses à outrance pour faire plaisir aux gens, pour contenter les gens. Avec des promesses, merci. Il n'a pas réussi. Vous savez, quand on fait la campagne aujourd'hui, ouais. Vous mettez Tshisekedi là-bas, vous mettez Fayulu là-bas. Tshisekedi aurait plus de chances que Fayulu pour avoir dirigé s'il avait un bilan. Quand on, comme lui n'a pas de bilan, vous voyez ce qui arrive sur le terrain. Tu vas aller encore dire, j'ai ferai. Il dit non, tu étais là. Ce que tu as fait, c'est quoi? Rien. Alors tu feras comment? Merci voilà beaucoup. Le problème. Merci beaucoup, M. Jean-Félix Senga. Alors, M. Freddy Mulumba, la même question, secteur sécuritaire. Quelle est l'offre du président? Pourquoi doit-on encore donner 5 ans au président Tshisekedi pour résoudre la question sécuritaire de la RDC? Oui, je pense que le président Tshisekedi a hérité un pays inexistant. Dans ce pays, il n'y a plus d'État. Ce n'est pas le président Tshisekedi qui est à la base. Il a trouvé une situation depuis 1999 avec le départ de Mobutu, 97 avec le départ de Mobutu. Quand Mobutu est parti, il y avait un vide étatique. La FDL est arrivée avec des aventuriers. Et quand Moïse Kabila s'est rendu compte, il les a chassés. Et pendant tout ce temps, le Congo est en train de se rechercher. Donc Félix Tshisekedi est venu trouver le Congo presque en lambeaux. Et ce n'est pas facile d'avoir une telle situation et du jour au lendemain s'en sortir. Ça, c'est du moins du côté où l'État a disparu. L'État n'existe pas au Congo. Donc, le travail maintenant à faire, c'est comment penser à reconstruire l'État, je dirais même à réinventer l'État. Parce que l'État qu'on avait eu, Itani Mobutu, Mobutu l'avait copié sur le modèle colonial. Un État qui travaille contre le peuple, et non pour le peuple. Maintenant, cet État s'est effondré. Il n'y a aucune institution qu'on a copiée de l'État colonial, même l'État de Mobutu, qui fonctionne. Vous irez dans des villages, il n'y a aucune administration qui fonctionne. Il n'y a rien. Donc, Félix est obligé de réinventer. Quand on dit Félix, ce n'est pas seul. Donc, les Congolais sont obligés de réinventer un nouvel État. Un État qui va servir notre peuple. Voilà les questions dans lesquelles Félix se retrouve. En dehors de ça, vous savez, la classe politique qu'on a aujourd'hui au Congo, pour la grande majorité, cette classe politique vient tirer ses origines ou bien sa légitimité de Paul Kagame. La plupart des gens sont devenus des politiciens grâce à la FDL. Qui comptait la FDL? Ce n'était pas Moïse Kabila, c'était Kagame. Beaucoup ont été nommés. On ne pouvait pas être ministre dans ces pays sans passer par Kagame. Voilà ce que Félix vient d'innover. Vous parlez de quelle époque là? Où Kagame, oui. Kagame devrait être celui qui dicte. Depuis la FDL, je dis depuis la FDL. Le patron, c'était Kagame. Donc Kagame a dirigé le pays pendant plus de 20 ans. Il le dirigeait par procuration. Vous ne les voyez pas, mais c'était lui qui était le patron. Pour preuve. Donc il connaît ce pays, les coins, les recoins, oui, les secrets que... d'État. Kagame, il est omniscient. Oui, je dis, on peut dire Kagame, c'est un négrier, mais derrière, il y a les services secrets occidentaux qui lui donnent un peu un coup de pouce. Lui, il fait le travail pour l'Occident. Ce n'est pas Kagame en tant qu'individu, c'est un système. Donc, il est parvenu à noyauter nos services de renseignement, à noyauter notre armée à travers le mixage des brassages. Il y a des Rwandais qui sont dans l'armée, tout le monde connaît. Il n'y a pas de secret. Et ces Rwandais, ils ont allégeance à qui? C'est Kagame qui est leur patron. On les voit. Imaginez-vous quand Félix Tshisekedi a été élu en 2018. Kagame était président de l'Union africaine. Il a fait une déclaration. Ne proclamez pas encore. On demande à la Cour suprême ce soir. J'arrive à Kinshasa. Quel courage! Ni t'étais notre peuple, ni t'étais la SADC. Aujourd'hui, le Congo n'allait pas exister. Parce que ça allait créer un désordre, un chaos, le Congo allait imploser. Donc, ça peut te dire que Kagame contrôlait. Maintenant, nous sommes dans une rupture. Donc, maintenant, là, c'est si Kagame a contrôlé ce pays pendant plus de 20 ans, comment arriver à le battre? Non, je sais que c'est maintenant. Nous sommes dans une rupture avec Félix. Je l'ai suivi hier au Bas-Congo. Il a dit, entre lui et Kagame, c'est fini. Ils vont se retrouver
au ciel. On va les demander qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils étaient sur la terre. Comment régler cette question alors? La question doit se régler d'une manière claire. On a sous-traité le leadership congolais à travers le Rwanda et l'Ouganda, à travers Museveni et Kagame. Ça n'a pas marché. Ce sont des petits pays qui ne peuvent pas gérer un État puissant comme le nôtre. Maintenant, avec l'arrivée de Félix, il y a un nouveau leadership qui émerge. Parce qu'il conteste tous ces deux, que ce soit Museveni, que ce soit Kagame. Il ne reçoit les ordres de personne. Voilà les conflits. Donc le conflit entre Félix et Kagame, Félix Tshisekedi et Kagame, c'est un conflit de leadership en Afrique des Grands Lacs. Je pense que maintenant tout se dessine. Le Congo reprend sa place. Comme le Congo reprend sa place, il faut qu'il y ait un leader. Félix s'est positionné. Il n'a pas voulu que les Rwanda et l'Ouganda donnent des ordres aux Congolais. Voilà la grande lecture qu'on connaît. C'est déjà très très positif. Donc ça inaugure une autre période où les Congolais doivent prendre conscience de faire la part des choses entre les intérêts personnels, les intérêts du Congo, les intérêts de notre peuple. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Tout le monde s'est plaint du Congo. Un pays extrêmement riche, une population pauvre. Les étrangers viennent ici, ils ont des milliards. Comment expliquer? C'est parce que la classe politique est complice. Cette classe politique de mercenaires qu'on a au pouvoir. Mais vous n'avez pas donné. J'ai l'impression que vous n'avez presque pas répondu à ma question. Oui, allez-y. Sur comment résoudre cette situation. La situation où nous sommes dans une insécurité qui est devenue. Je pense qu'il y a un mode de vie. Il n'y a pas autre chose à faire. L'histoire nous montre que tout État, ou bien tout un peuple qui a perdu la guerre, perd une partie de son territoire ou bien l'État disparaît. Oui. Donc, on n'a pas d'autre choix. Il faut que les Congolais comprennent. À travers l'histoire, c'est à travers toujours des guerres que l'État naisse ou bien disparaisse. Ou bien nous nous battons, nous récupérons nos territoires, ou bien nous perdons, le Congo disparaît. Ça, c'est un message qu'il faut donner à tous les Congolais. On est tellement inconscient, on ne voit pas la gravité de la situation. Donc, c'est là où moi je suis d'accord avec Félix, c'est ce qu'il dit. Cette rupture avec Kagame, ce n'est pas Kagame, c'est derrière tous ces bandits qui sont derrière Kagame, tous les globalistes qui ont financé la guerre de la FIDEL. Parce que Kagame, il ne s'est pas réveillé le matin, il veut faire la guerre au Congo. D'accord. On a appelé Kagame, Museveni, allez l'attaquer. Donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est faire une grande guerre patriotique et qu'on va gagner. Et quand nous gagnons, le Congo reprend sa place. Si nous perdons la guerre, si on ne devient pas des esclaves des Rwandais, des Ougandais, le Congo disparaît. Il faut faire la guerre au Rwanda. Il faut que les Congolais prennent conscience. Monsieur Jean-Félix Senga, je crois qu'on est en train d'avancer. Le débat évolue. On va prendre un autre secteur. Le social du Congolais. Ça englobe beaucoup de choses aussi, c'est très vaste, on ne sait pas le spécifier avec précision. Mais comment, pourquoi donner à Fayulu un mandat et qu'est-ce qu'il va proposer pour le social, pour l'amélioration du social de Congolais? Ok, avant de répondre à cette question, je voudrais un peu revenir sur ce que M. Moulumba a dit. Je veux d'abord que M. Moulumba sache que moi, personnellement, j'ai eu pendant longtemps à l'apprécier, lui, quand il était encore DG, je crois, de potentiel. Il animait des émissions sur Kagame, le Rwanda, je le suivais beaucoup. J'aimais beaucoup ses analyses. Maintenant qu'aujourd'hui, qu'il est de l'autre côté, il ferait encore des propositions pour que l'on soit beaucoup plus pragmatique. Aujourd'hui, si on en est là avec le Rwanda, c'est pas la faute de Félix. Il faut pas les dédouaner, c'est pas la faute de Félix. Oui. Pourquoi? Parce que, quand les élections se sont organisées, nous, dans l'opposition à l'époque, la Mouka,
nous avions un seul objectif, c'est mettre fin au système Kabila. Qui dit Kabila dit Kagame et consorts. Nous, nous voulions mettre fin à ce système-là. Celui qui a fait que ce système survive, c'est Félix. Mais il a dit que lui et Kagame, ça ne collera plus et que le jugement pour se voir, lui et Kagame, pour qu'ils puissent à nouveau se rencontrer, ça sera devant Dieu pour le dernier jugement. Admettons que ce qu'il a dit là soit vrai, parce que vous m'empêchez de développer mon raisonnement, ma réflexion. Admettons que cela soit vrai. Comment vous jugez-vous? Kagame, président du Rwanda, prend son téléphone, appelle le ministre congolais des hydrocarbures, lui demande, je t'envoie un jet qui est là à l'aéroport, prends le jet, viens ici pour signer un contrat avec Total. Le ministre, il a eu peur ou comment, je ne sais pas. Il se réfère au président de la République. Monsieur le président, voilà ce que Kagame vient de me dire. Le président qui a déjà mis fin avec Kagame répond au ministre, prends tes responsabilités. Vous jugez ça comment? Vous prenez ça, c'est sérieux ça? C'est quelqu'un qui a rompu avec Kagame? Pourquoi nous, les Congolais, on se satisfait de très peu? On se satisfait de très peu. Il faut suivre dans les actes. Aujourd'hui, tout le contrat que Kagame avait signé avec Félix ont été seulement suspendus. Tu sais que demain, nous pouvons encore avoir des problèmes. Nous allons dans des tribunaux commerciaux internationaux. Comment tu suspends un contrat sur l'exploitation de l'or avec Kagame, que tu aurais carrément congédié, mais tu suspends seulement, mais tu fais le même contrat avec l'Arabie Saoudite. Demain, ça sera comment? On va encore nous traîner dans ces institutions. Or, à commencer par lui, personne n'ignore que ce sont des gens qui sont derrière Kagame qui dirigent toutes ces institutions. Donc, ils vont trouver les opportunités pour nous coincer encore. Non. Et qui fait cette offre-là? C'est Tshisekedi. Et vous, vous dites non, Tshisekedi nous a... Il a rompu avec Kagame et consorts. Non. L'Arabie Saoudite, Kagame derrière cette... Il a dit, il nous faut la guerre. Ce qu'il dit là, c'est ce qui est vrai. Il nous faut la guerre, mais jusqu'à présent, là, nous allons faire la guerre avec qui? On nous a vanté ici qu'on a formé 40 000 jeunes, on les a équipés, ils sont armés, tout ça, on nous a vanté ça. Mais entre-temps, et en même temps, on fait grimper des échelons aux généraux qui n'ont aucun fait sur le terrain, il n'y a pas de fait d'œuvre. Hein? Vous vous imaginez quelqu'un en 2 ans, il monte de grade pour n'avoir rien fait sur le terrain, mais il monte seulement de grade. Vous trouvez que cette politique, cette façon de faire de Tshisekedi là peut nous amener à la grandeur? Parlons peu, parlons bien. Ou on aime le pays, ou on est toujours distrait, comme son ami, je disais, Mutinga qui écrivait La République des inconscients. Mais effectivement, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Donc, sur Tshisekedi, sur cet aspect-là, aujourd'hui, les désordres qu'il y a à l'Est, l'auteur, c'est Tshisekedi. Pourquoi? Un, Kabila, qui, lui, était le capitaine de Kagame au Congo. Personne ne l'ignore. Kabila, qui était le capitaine de Kagame au Congo, s'est arrangé, je ne sais pas, quand nous avons eu nos fils... qui méritait beaucoup de respect et de considération, le général Bahouma et le colonel Mamadou Ndala, qui ont fait la guerre aux Rwandais, qui ont gagné, et on s'arrange, on tue ces gens. Après les avoir tués, il y a des négociations qui se font pour qu'on mette quand même la calmie. Et certains membres de M23 sont allés en Ouganda, d'autres au Rwanda, on calme. Il n'y avait plus existence sur le terrain de M23. Félix vient, comme il a sauvé ce système-là, on lui donne des tâches à faire, entre autres ressusciter le M23. Le M23 ont été nourris, logés, véhiculés ici à Kinshasa pendant plus de 14 mois. C'est sous le règne de Félix? Qui ignore ça? Qui peut maquiller ça? Qui peut vouloir faire croire aux Congolais le contraire? Eh bien, ce n'est pas avec ce monsieur-là que vous pouvez croire un seul instant. Lui peut nous résoudre ce problème de l'insécurité. Donc, nous avons d'abord... Avant toute chose, besoin des hommes intègres. Pas des gens
pour le pouvoir, ils sont prêts à tout. Ça, non. Ça, il ne faut pas. Ils fustigeaient ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Ils disaient, il y a des miniers, il y a des ceci, il y a des gens qui veulent contrôler parce que ce qu'ils disaient. En gros, ce n'est pas faux. Mais pour que cela se réalise, ça dépend en grande partie des Congolais eux-mêmes. Et quels Congolais? Des Congolais du genre de Félix. Voilà pourquoi il faut éviter cela. Et Fayulu est une personne donc, intègre qui ne rentre pas dans ce registre d'hommes qui sont prêts à prendre le pouvoir pour le pouvoir. Prendre le pouvoir pour le pouvoir, non. Merci beaucoup. Non. Monsieur Fendi Moulumba. Oh, maintenant, okay. Donc, je ne saurais même plus répondre à la véritable question de ce soir. Ok. Parce que on va continuer. Donc, je pense que concernant le coup de fil de Kagame au ministre, c'était en 2021. Je pense que le ministre même lui l'a dit. Le président Félix a eu à rompre très sérieusement avec Kagame, je pense en 2022, à partir des accords de Nairobi et de Luanda. Il y a eu des discussions houleuses. Peut-être beaucoup de gens ne savent pas. Kagame était habitué à donner des ordres. Félix lui a dit niet. Il lui a dit, si tu dis que je prends M23 et que je prenne M23 qui s'intègre encore dans le pays, dans l'armée ou autre, toi tu prends FDLR. Et Kagame s'est tué. Actuellement, Kagame est déstabilisé. Il parle comme un Tchako maintenant. C'est la toute première fois qu'il est démystifié par Félix. Il faut avoir ce courage. Ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que même pour citer le nom de Kagame dans ce pays, moi je me rappelle, ça m'a coûté cher. Vous attaquez Kagame, demain matin, on n'avait pas du travail. Aujourd'hui, que Félix ait ce courage de l'affronter en face, je pense qu'il faut quand même reconnaître son courage. Deuxième chose concernant le contrat qu'il a signé. Vous savez, j'ai dit, notre pays, c'est un enjeu. Un grand enjeu. Les Kagame là, et les autres, ce sont des marionnettes. Les patrons, ce sont ceux qui étaient à Berlin en 1885, ceux qui ont fait la guerre de la FDL. Ils veulent maintenir la main sur les richesses du Congo. Point très. Kagame n'est qu'un commissionnaire, tout comme Museveni. Je pense qu'il y a eu trop de pression sur le président Tshisekedi. Il dit non, comme d'habitude, si vous faites des affaires, tout va bien marcher. Il était de la bonne foi, il a accepté. On a signé des accords. Mais Félix s'est rendu compte que l'homme, cette richesse, ce n'était pas les matières premières. C'était gérer le Congo comme patron. Là, Félix n'a dit pas question. Il lui a dit qu'il se battait déjà pour mettre fin au système, le système de Kabila-Kagame. Et que le président Tshisekedi aurait continué dans cet élan-là. Donc il a dressé le lit pour la poursuite de ce qu'il combat. Je ne crois pas. On était dans la presse, on sait beaucoup d'informations. Je vous dis, ce qui se passe ici, ça ne se joue pas au Congo, c'est à l'extérieur. Il faut que les Congolais comprennent. Ce que les hommes d'affaires, les industriels, les financiers, l'Occident, les capitalisme occidental pensent que le Congo leur appartient. Donc tout se passe ici, il faut qu'ils aient un œil. Donc il faut être un peu stratégique pour savoir comment les éviter. Et les contraindre à négocier avec nous. Donc il faut créer un rapport de force. C'est là que moi je suis d'accord avec lui. Il faut que ce soit au niveau national. Mais il y a eu des erreurs. Dans... Mais c'est normal politique, la politique ce n'est pas la religion. Il y a des conflits d'intérêts, il y a beaucoup d'intérêts. Il faut savoir les gérer. Il y a ce qui est positif, ce qui est négatif, ce qui est normal. Mais ce qui compte ici, c'est garder le Congo comme un pays indépendant, autonome. Vous ne pensez pas que c'est le moment peut-être de passer le bâton à quelqu'un d'autre aussi qui puisse essayer? Peut-être. Ça serait une erreur. Comment ça? On ne peut pas recommencer à zéro. Je pense qu'aujourd'hui, avec 5 ans au pouvoir, Félix a beaucoup d'expérience. C'est l'homme le plus renseigné du monde, donc pour le Congo. C'est la seule personne au Congo qui est mieux informée. Il connaît où est-ce qu'on part et ce qui se passe. Il connaît au moins les rapports de force, ce qui se passe en coulisses. Donc, avoir un nouveau, là, on va tomber dans un piège, on peut dans le pays. Mais ce que moi je demande aux Congolais, c'est élever le débat. Où sont les intérêts du Congo aujourd'hui? Je vous dis, ce qui se joue aussi, ce n'est pas la présidentielle. C'est la survie du Congo. Nous faisons les rompre le Congo. Le Congo a une construction, on peut le construire.
Aujourd'hui, avec tous ces grandes puissances qui s'affrontent, si on va à Kinshasa, les gens se chamaillent hein, pour leurs questions, pour questions d'intérêt personnel. On ne va pas s'en sortir. Il faudrait à un moment donné que notre classe politique se mette ensemble. On définit nos intérêts. Il y a toujours des conflits. On peut les régler. Mais jamais pousser les pays à tomber dans un chaos, comme beaucoup d'opposants congolais le font. Parce que moi, j'ai apprécié l'attitude de nos frères là-bas. Non, quand c'est pas clair, c'est pas clair. C'est bien, on peut avoir des amis étrangers qui peuvent nous aider, mais pas commencer à nous guider. Donc, pour moi, ça c'est un point de vue. Pour le moment, Félix, avec l'expérience qu'il a, il mérite un deuxième mandat. Mais ce deuxième mandat, il faudrait qu'il y ait une nouvelle classe politique. Mais il a travaillé. Pas la même. Il a travaillé des gens qui ne l'ont pas aidé. J'ai dit non, ils n'ont pas aidé. Il y a trop de voleurs. Il y a trop de voleurs. Il y a beaucoup de vols hein, maintenant. Mais les vols, c'est depuis qu'il a fait l'élection arrivé ici. C'est pas tout à normal. On ne vole que des millions. Donc il faut donner cette fois-ci à Félix une nouvelle classe politique. Vous avez été aussi aux affaires, monsieur Félix. Oui, j'étais aux affaires. J'étais DG de l'ARTNC. J'étais le patron de potentiel. Je connais beaucoup de choses. Mm-hmm. Je ne parle pas au hasard. Il faut lui donner donc à Félix une occasion pour terminer son deuxième mandat. Je pense qu'on aura beaucoup de chance si on parvient à changer notre classe politique. Mm-hmm. Ça signifie qu'il faut de nouveaux députés. À travers de nouveaux députés, on peut avoir un bon gouvernement. Mm-hmm. Mais ce sont les mêmes voleurs, les mêmes traîtres, ceux qui sont sous contrôle de Kagame, qui vont revenir. Donc Félix aura un travail difficile. Il ne saura pas s'en sortir. Il ne saura pas s'en sortir s'il ne change pas. C'est parce que ce n'est pas à lui de changer. C'est au peuple. C'est au peuple cette fois-ci de faire par tous les moyens. Tous ces voleurs qui sont présumés ou pas, mm-hmm. qu'on ne puisse pas voter pour eux. D'accord. On vote au moins pour des gens qui peuvent travailler pour les pays et pour la vie de nos enfants. Ce n'est pas normal qu'on soit là comme... quand on dit à l'étranger que c'est les Rwandais qui nous agressent, les gens ne comprennent pas. D'accord. Ils disent, mais c'est pas normal. Donc, chez vous, là, vous n'êtes pas à la hauteur des enjeux. Donc, prenons quand même notre destin en main, qu'on évite un peu trop de polémiques, ça n'avance pas la société. D'accord. On est en train de parler Congo, on ne parle pas individu. Mais Jean-Félix Senga, dites-nous en quoi M. Fayulu sera l'homme qui pourra apporter ce que les Congolais, tous les Congolais attendent, parce que M. Freddy Moulumba a dit tantôt que le président Tshisekedi est le Congolais le mieux renseigné pour le moment sur la question de l'Est. Vous avez parlé de la rupture du système. Comment? En quoi? Comment ça va se passer, cette rupture du système? Et vous parlez de quel système exactement? D'abord, le système de prédation. Aujourd'hui, avec le régime, le pouvoir de M. Tshisekedi, c'est les vols tous les jours. On vient d'organiser les jeux de la francophonie. La francophonie avait un budget de 66 millions de dollars. Mais ils n'ont reçu que 48. Mais vous et moi, nous apprenons que le ministère des Finances a dépensé plus de 324 millions de dollars. Et on ne dit rien, on ne fait rien. Il n'y a pas de poursuite judiciaire, il n'y a rien. Silence de mort. Aujourd'hui, avec le système Tshisekedi, c'est difficile de résoudre même le social des gens parce que plus de 70% du budget va vers les institutions. Va vers les institutions. Maintenant, vous allez payer les salaires des gens comment? Avec quoi? C'est-à-dire ils ne se regardent que eux. Dans un pays où le niveau de misère est comme celui qu'il y a au Congo, il est impensable qu'un ministre touche 40 000 dollars par mois. Qu'un député touche 21 000 dollars par mois. Du moment que le professeur d'université, le professeur ne touche que 1 200 dollars. C'est anormal. Eh bien, ces inégalités-là, il faut le résoudre. Il faut le réparer. Mais ce n'est pas avec ce régime qu'on peut le faire. Ce régime ici, c'est la corruption. Ce n'est pas Félix qui a vanté la rétrocommission. C'est Félix dans ce pays ici. Tout le monde le sait, même les médias étrangers. Ça, Félix est pour ça. Et vous voulez encore lui confier la gestion, la direction de ce pays, il va nous amener où finalement? Il a dit que, je comprends, c'est de bonne guerre. On peut donner encore à Félix la chance parce qu'il a beaucoup d'informations, mais qu'on lui change au moins la classe politique, il faut des députés. Demain, moi, Jean-Félix Senga, j'apprends, Freddy Moulumba est député. Je me dis, il y a de quoi.
c'est quelqu'un qui mériterait pour le combat qu'il a fait dans ce pays, pour ce qu'il peut faire. Je le concède. Mais c'est ce pouvoir-ci qui a désacralisé toutes les fonctions au point que vous voulez avoir un député Ouéra. Il va aller dire quoi à l'Assemblée nationale? C'est ce pouvoir-ci, Lacoste député. Mama Kalunga du théâtre député. C'est ce pouvoir. Et ils sont recrutés ou chez Bati Lukwebo. Et vous voulez donner la chance avec ce pouvoir? Parlons peu, parlons bien. Je voudrais bien vous suivre, mais si vous aimez encore le Congo, mettons les sentiments de côté. Félix a fait son temps, on les met dans la poubelle de l'histoire et nous prenons des hommes intègres qui viendront pour changer systématiquement le système et nous allons avancer. Et cet homme-là, c'est fait. Et cet homme-là, celui qui l'incarne bien, qui vous promet la tolérance, corruption, tolérance zéro, c'est Martin Fayot. Monsieur Freddy Moulumba. Je suis d'accord avec notre ami du fait que la corruption n'a pas commencé avec Félix. Il y a quand même un fait ici. Auparavant, il y a le Zolombambi qui avait parlé que chaque année, il y a 15 milliards. 15 milliards, oui. Mais les gens volaient, mais personne n'était arrêté. Personne n'était arrêté. On n'arrêtait personne. Le Zolombambi avait des difficultés. Mais ce qui est positif avec Félix aujourd'hui, honnêtement, il a laissé les Congolais au moins devenir responsables. Moi, je peux vous dire, il y a des choses. Quand vous regardez, vous posez la question, est-ce que les Congolais comprennent ce qui se passe dans ces pays? Nos magistrats, pour la plupart, sont corrompus. On envoie un dossier. Ils n'ont peur de personne, hein? Ils s'arrangent. Donc ce n'est pas la faute à Félix. Félix ne peut pas toutefois entrer dans, s'ingérer dans la justice. Il ne peut pas donner des instructions. Tous les dossiers demandent aux gens, faites votre travail correctement. C'est, moi, c'est notre responsabilité aussi. Parce que Félix ne pourra pas faire mais des miracles. Mais les cas de corruption qu'on a, la corruption, les détournements, les surfacturations des projets, l'affaire même des jeux de la francophonie. Ce qui est bon. Et la justice ne dit rien, pourquoi? Non, non. Ce qui dénonce, ce sont les gens de Félix, non, qui dénoncent, non. Ça ne vient pas d'ailleurs. Ça prouve qu'il y a un problème qui se pose dans notre société. On dénonce, on arrête les gens. Les gens s'arrangent avec les juges, ils sortent de la prison. Qu'est-ce que Félix peut faire? Donc moi j'ai dit que nous traversons une crise très profonde. Pour la vie et la vie de nos enfants, nous ne devons pas porter des gants, qu'on se dise la vérité. Cette fois-ci, ces élections, que notre peuple sanctionne tous les voleurs, tous les gens qui travaillent pour les Rwandais, tous ces bandits qui sont dans les... Il faut les sanctionner. Ça c'est la décision qui... Comment on va faire quand ces gens-là battent campagne avec l'effigie du président Tshisekedi derrière? Mais c'est le peuple qui décide. Quelqu'un peut porter les fusils de Tshisekedi, il arrive, mais c'est un voleur, un bandit. Vous faites comment? Vous bouffez l'argent? Mais vous ne les votez pas. C'est très clair. D'ailleurs, les papas tiennent, le disaient. Ma petite Mbongo Bolié. Mais vous votez d'un côté. Quelle est la stratégie mise en place, oui, qui a été mise en place pour mettre fin à ça, ou décourager ceux qui s'adonnent à ces pratiques-là? J'ai dit que tu sais combien de gens ont été sanctionnés dans la magistrature. Pourquoi ça ne change pas? Et nos magistrats, maintenant, sont quand même mieux payés. Donc, nous sommes une société en crise. La corruption devient quelque chose de normal. Il n'y a plus de normes. Donc, c'est une crise sociétale. Il ne faut pas seulement dire que c'est Félix seul qui est responsable, non. Concernant la vie sociale qui est difficile, je pense qu'il y a quand même, nous sommes en guerre. Tous les budgets du pays, la grande partie, c'est dépensé au niveau de l'achat des armes et autres. Pas payer les mandataires publics, oui, les ministres et les députés. Oui, ils prennent ça, ce sont des petits montants. Mais ce qu'on paye pour acheter des armes, s'ils n'avaient pas cette armée aujourd'hui, Kagame serait Kinshasa. Il serait patron ici. Donc notre armée se bat avec le peu de moyens qu'on a. Parce que pendant plus de 30, 20 ans, Kagame a pillé les minerais. Donc, le coltan, tous les minerais partaient passer par Kigali. C'était Kagame qui gagnait. L'État congolais n'avait rien. Et quand on essaie un peu de demander des comptes aux multinationales, mais ils s'énervent, ils ne veulent pas. Parce qu'ils sont dans cette vision de prédation. Mais ils volent avec nous, nous sommes responsables parce que nous sommes complices. Les jours, les Congolais prendront conscience. On dit, c'est notre pays, ce sont nos richesses, on met fin à cela. Chacun individuellement. Et puis on va voir la collectivité, donc les collectifs. Ces jours-là, on peut espérer qu'on va s'en sortir. Mais tant que la corruption
existe, tant que la corruption est dans tous les domaines, il n'y a pas d'avenir. Donc, cette fois-ci, prenons conscience, changeons la classe politique à travers les élections libres et transparentes. Le peuple a son pouvoir maintenant de s'actionner, de voter pour des gens qui vont changer la société. Si le peuple se trompe de voter encore pour les voleurs, qu'on connaît très bien, on connaît tous les voleurs là, on les connaît. C'est-à-dire que l'élection du président seul ne suffit pas. Non, non, il faut... Le président a besoin d'une nouvelle classe politique. Seul, ça n'y fait rien. Seul, non. Il faudrait changer la classe politique. Le président, il a la bonne volonté. Mais on se rend compte que l'entourage... Il peut échouer s'il est mal entouré. Ah, il peut encore échouer les cinq prochaines années. Effectivement, parce qu'on voit les conséquences. Donc maintenant, ouais, il a échoué. Non, les conséquences de ce qui s'est passé pendant 5 ans, détournement des fonds, des gens, on en parle. Il a échoué. C'est pas il a échoué. Il n'a pas échoué parce qu'il a travaillé, mais il était dans des conditions très difficiles. Maintenant, il faut lui donner une nouvelle classe politique à travers ces élections libres et transparentes, que la population sanctionne ces voleurs. D'accord. Comme ça, Félix aura une nouvelle classe politique qui va quand même rendre notre peuple heureux. Et ça va lui permettre aussi de réaliser les rêves de son père. Merci beaucoup. Son père est mort dans une pauvreté incommensurable. D'accord. Je pense que quand Félix dort seul, il voit quand même son papa dans ses rêves qui lui rappelle, n'oublie pas, le peuple d'abord. Papa Lobaïki, le peuple d'abord. Monsieur Jean-Félix Senga, on est en train de finir, de terminer. La question de la classe politique congolaise, c'est une réalité. Les Congolais sont habitués à beaucoup d'antivaleurs, le vol, le détournement, la corruption, et les rétrocommissions que vous avez dénoncées tantôt là. Ça, c'est le lot des Congolais. Or, Martin Fayulu, s'il est élu, il fera face à ces mêmes Congolais qui sont habitués à ces mêmes antivaleurs. Comment il va s'y prendre pour redresser le pays dans ce contexte-là? Tout à fait. En tout cas, ce que vous dites là, c'est ce qui est vrai. Et je suis d'avis qu'il faut changer la classe politique. Mais ma crainte, c'est que quand je vois les gens qui se recrutent maintenant en politique, d'abord, on se demande quelle est la motivation. Ils viennent en politique pourquoi? Comme papa le disait, pour les uns, la politique est un tremplin pour devenir riche. Un tremplin pour devenir riche. Ils ont vu le modèle. Ils ont vu que s'il y a des gens forts aujourd'hui, incontournables, capables de se payer une maison aux Champs-Élysées à 15 millions d'euros, c'est parce qu'il est politicien. Alors tout le monde se dit, eh bien qu'on devienne aussi politicien, on sera à mesure de le faire. C'est la motivation de la plupart des jeunes qui viennent en politique. Ce ne sont pas les valeurs. Les jeunes ne viennent pas parce que révoltés. Ils disent non, il faut que nous entrions pour changer le cours des choses. Malheureusement, la situation, c'est à ce niveau-là. Mais on se dit, malgré tout ça, malgré cet arropage, on fait quoi pour essayer de tirer ce pays d'affaires? Moi, je pense, il y a un philosophe qui a dit, un peuple ou un homme qui a faim, la faim fait que il ne soit concentré qu'à la recherche de l'aliment. Il ne raisonne pas autrement, il ne voit pas ceci. Si pour avoir son aliment, il faut voler, il vole. Parce qu'il n'a besoin que de l'aliment. Eh bien, notre peuple est arrivé à ce niveau-là. Vous savez, il y a des familles où peut-être aujourd'hui on ne mange pas, on mange demain. Avec cette allure-là, avec ce niveau de manque de nourriture, la souffrance est vraiment le peuple tellement détruit, tellement avili, au point que c'est vrai d'avoir beaucoup de projets, mais moi je crois il faut d'abord donner aux Congolais à manger. Comment on va donner? Il faut promouvoir, il faut promouvoir l'agriculture, il faut se concentrer, il faut relancer. Il y a eu des projets qu'on a lancés, non. Les parcs agro-industriels, c'est plus de 250 millions de dollars. Je ne parle pas des intentions. Qu'on ait des intentions. Non. Vous savez, ce régime ici, oui. La première année, quand ils étaient ensemble avec les gens des FCC, oui. Pour le ministère de l'Agriculture, ils avaient affecté, je crois, 275 millions de dollars pour le ministère de l'Agriculture. Mais à la fin de l'exercice, le ministère de l'Agriculture n'a eu que 7,5 millions.
Et les 267, c'est parti où? C'est parti où? On en a fait quoi? Donc ici, les gens vendent souvent de bonnes intentions. C'est pas ça. Donc, on a besoin des gens pragmatiques, les gens qui ont le souci conscient. Voilà pourquoi... Il les trouvera où ces hommes qui, apparemment, ne sont pas là? Il les trouvera... Non, il ne faut pas dire qu'ils ne sont pas là. Entre autres, le service de renseignement ont pour mission, pour rôle, aussi de dénicher ces hommes-là. Les services de renseignement ne sont pas là que pour traquer les gens. Tu as dit ceci, on te prend, on te met au cachot. Tu as fait cela, on prend, on te prive le soleil. C'est pas ça. C'est entre autres rechercher ces perles-là, ces hommes rares qui, une fois mis ensemble, peuvent faire quelque chose pour la République. D'accord. Nous en avons besoin. Il y en a. Il y en a. Au Congo, il y en a. Au Congo, il y a tout. Il y a tout au Congo. Au Congo, il y a tout. Même les hommes. Il y a tout. Monsieur Fodi Moulumba, oui. Ça sera facile pour le prochain président également de travailler dans un contexte-ci où les Congolais sont habitués à toutes ces pratiques-là. Oui, je pense que ça sera facile si on change cette classe politique. Je pense au niveau de notre parti, l'RDT, je dis la fois dernière, pourquoi j'ai fait les choix de l'RDT, de Sylvain Moutombo, c'est parce qu'on est très libre dans notre parti. Et puis, nous pensons d'abord à la patrie. Nous pensons à la patrie. On a moins de voleurs dans notre parti. On a moins de voleurs. Donc, nous pensons qu'au niveau du RDT, il faudrait que Félix ait des députés propres, consciencieux, patriotes. Ce sont ces députés-là qui vont permettre à Félix d'échanger la société. Mais c'est la chanson qu'on a toujours entendue, M. Freddy Moulumba. Non, il faut cette fois-ci, les choses vont changer. Expliquer à notre peuple. Cette fois-ci, avec cette nouvelle classe politique, non, j'ai dit ceci. Les choses iront mieux, mais finalement, on retombe dans les mêmes problèmes. Il faut expliquer à notre peuple que ce qui se joue ici, c'est son avenir. Celui qui va oser vendre sa liberté parce qu'on donne l'argent par un politicien véreux, va payer les prix. Mais nous connaissons, il y a des voleurs qui sont en train de circuler librement dans la ville de Kinshasa. Mais on ne les fait rien. Je t'ai dit ceci. Qu'est-ce qui nous dit que demain, on va changer. Ça va changer si vous avez un parlement solide avec des gens capables de parler. Je te prends un exemple, un petit exemple. On tue des gens à l'est du Congo. On coupe des têtes. Au parlement, même pas un débat. Dans les médias, même pas d'information. Est-ce la faute à Félix? Notre peuple, notre classe politique est inconsciente. Il faudrait qu'une nouvelle classe politique, il faut qu'il y ait de nouveaux députés, un nouveau parlement qui doit éclairer notre peuple, qui doit faire par tous les moyens pour que cet État devienne une puissance. On a déjà des atouts d'une puissance. Mais ce qui nous manque, c'est... Les hommes. Les hommes. Pour la plupart, ne sont pas à la hauteur des enjeux. Quand je regarde notre ministre, moi, je suis désolé. Ça fait très mal. Vous avez récemment dénoncé les cas que vous êtes arrivé à la tête avec M. Non, je ne voudrais pas entrer dans la polémique. Ici, nous parlons de l'avenir de ce pays. Ça, ce sont des questions secondaires. Mais l'essentiel, nous devons nous battre tous pour que ce pays devienne autonome et indépendant. Qu'on ait le contrôle de nos minéraires. Tout nous échappe. Aucune banque commerciale congolaise est-il normal? Toutes les mines sont vendues. On est en train de ficeler encore de cours de foncier pour qu'on vende encore des terres. Il faut qu'on soit toujours complice. Non. Cela, au niveau, je suis d'accord avec lui, il faut au niveau de la presse, des intellectuels, il y a des gens de qualité dans ces pays. Il faut construire une masse critique. Dire non quand ça ne marche pas. On ne dit pas non, on n'est pas opposant pour être opposant. C'est pour qu'on puisse... évoluer, améliorer, c'est qu'on puisse se développer. Mais ici, quand quelqu'un pense autrement, on pense qu'il est opposant. Non, il faut qu'on change notre manière de voir les choses, on peut s'entendre, trouver un compromis entre nous, apprendre à se respecter. Et quand il y a des questions de service de la nation, on se dit, on se met d'accord. C'est comme ça que des grands pays, des grandes puissances. Qu'est-ce que vous avez convaincu vous personnellement de suivre le président Tshisekedi? C'est d'abord les idées de son père. De son pas ses idées. Mais j'ai dit, celle de son père. Lui, il hérite ce que son père a laissé. Un héritage.
Mais Fayoul aussi prétend être l'héritier. La plupart des gens qui ont travaillé avec Étienne Tshisekedi ont ses idées. Mais celui qui est au pouvoir, c'est son fils. Ah, vous l'avez dit parce qu'il est au pouvoir? Non, parce qu'il est au pouvoir, parce que maintenant il peut décider. Parce que quand c'est difficile quand tu es en dehors du pouvoir. Mais quand tu es au pouvoir, tu as de bonnes idées. Tu vas le faire. Et moi, je suis convaincu. Là où se trouve Félix, il est tellement conscient. Il ne va pas décevoir son père. Voyons le deuxième mandat. On ne peut pas beaucoup polémiquer ou bien... D'accord. Mais on verra. Voyons le deuxième mandat. Ce pays sera une puissance. Mais à condition que nous tous nous comprenions de faire la part des choses entre nos intérêts privés et les intérêts de la patrie. Parce que tout Congolais aujourd'hui, quand vous voulez négocier un contrat, il demande 20%. 30%, c'est pas qui c'est dit. Hein? Les magistrats, et les... il y a tout. Je dis, l'AFDEL nous a amené une mafia ici. Et même le président lui-même l'a dénoncé. Il y a des choses, quand on vous raconte, vous tombez malade. Donc, si nous voulons que les pays avancent, il ne faut pas que ce soit fait, donc que ce soit Tshisekedi seul, le président Tshisekedi seul, il faut qu'on soit nombreux. Et qu'on accepte des contradictions, des discussions. Hein, quand quelqu'un n'est pas d'accord, ce n'est pas qu'il est opposant. Non. Nous nous battons tous pour la patrie. Merci. Au moins qu'il y ait quand même des gens honnêtes et sérieux qui peuvent être au prochain gouvernement aussi. On va finir. On va donner à chacun 4 minutes pour conclure. Monsieur Jean-Félix Senghor, vous avez été proche de Félix Tshisekedi. Vous avez milité, vous avez lutté avec lui pour l'avènement d'un État prospère. Si vous devez le faire, au cas où il est réélu, vous devez faire des conseils. Ah, on dit qu'on n'a plus le temps. On va prendre 3 minutes. Si vous devez faire le conseil, s'il est réélu président, qu'est-ce que vous lui direz? Regardez ce qu'il a fait pendant son premier mandat. Vous lui direz quoi? Monsieur Dan, ça c'est une question piège. Moi, je suis l'un des directeurs de campagne de Martin Fayoul. Mais vous venez me demander qu'est-ce que je dois dire à Félix si jamais il doit avoir le deuxième mandat. Oui, oui. C'est la question que vous me posez, l'exercice auquel vous voulez me soumettre, il serait paradoxal à mon identité. Comment ça? Je le ferai comment? Félix, malheureusement, comme le dit M. Freddy Moulumba, moi par contre je dirais, il aurait hérité réellement de son père, il réussirait. Nous avons tous été à l'UDPS, nous avons été, moi j'ai été à l'UDPS très jeune, depuis 85, très jeune. Eh bien, si Félix avait osé mettre en pratique le pensée, les idées, les démarches de son père, le rêve que son père avait qu'il le traduise en acte, le Congo sortirait sa tête du gouffre. Malheureusement, lui, il est dans autre chose. Malheureusement. Malheureusement. Je vous donne un exemple. Son père, élu premier ministre à la conférence nationale souveraine, il fait une conférence de presse, il dit, donne-moi 100 jours. 100 jours après, je vais travailler, j'aurai devant moi les tableaux de bord. De sorte que je saurai désormais, si j'appuie sur ce bouton, il y aura tel effet et tel autre effet. Il avait la maîtrise. Je peux t'en donner d'autres exemples. Kanga Bongo était nommé ministre à l'agriculture. Il était avec Étienne, premier ministre. Il ne le supportait pas, il n'acceptait même pas. Le jour où il va présenter à Tshisekedi le travail qu'il a fait pour voir comment il va diriger son ministère, Tshisekedi prend les bics rouges, il corrige, il lui donne des éléments que lui n'avait pas. Il a vanté depuis ce jour-là, il se dit jamais. Mais Tshisekedi, Félix, lui, n'a pas été à la hauteur de ça. Voilà pourquoi aujourd'hui le Congo est encore à la traîne. Merci beaucoup. La régie nous dit qu'on n'a plus le temps, on doit conclure. Mais 30 secondes simplement. Si vous devez choisir entre Katumbi et Félix Tshisekedi, vous choisirez qui, par exemple? Honnêtement, oui, oui. Entre Katumbi et Félix, oui, oui. Je prendrai Félix. D'accord. Katumbi a été minier, il a exploité, il apporterait un conflit d'intérêts dans ce pays. D'accord. Monsieur Freddy Moulumba, oui. Au regard de ce qui n'a pas marché au premier mandat, oui. Quel conseil donnez-vous au président s'il est réélu aussi pour un second mandat? Bon, je pense que le peuple va lui donner quand même de nouveaux
de nouveaux députés qui vont lui permettre de réaliser les rêves de son père. Et je suis convaincu qu'il va le faire pour qu'il laisse au moins un nom dans l'histoire de ce pays. Quel conseil lui donnerez-vous de corriger les erreurs du premier mandat, s'il y en avait? Non, je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs, parce qu'il y a beaucoup de voleurs qui circulent. Mais je pense qu'il a hérité une situation très très difficile, ce n'est pas facile. Tu sais, quand on est en dehors du pouvoir, la critique est très facile, mais quand on est dedans, c'est très complexe. Mais je pense qu'avec l'expérience qu'il a, il va corriger beaucoup de choses. Donc on a beaucoup critiqué Kabila aussi pour rien, parce qu'on n'était pas aux affaires. Non, vous savez, être président, ce n'est pas facile. Hein. Il faut être honnête, c'est pas facile d'être président. Encore être président de ce pays. Non, ça c'est une puissance. Donc je demande tout simplement aux Congolais d'éviter des querelles personnelles, de mettre en point la patrie au-dessus de tout. Je pense qu'on va s'en sortir. Il y a beaucoup de critiques aussi mal placées sous Kabila. C'est normal. Les critiques doivent être. C'est quelque chose de normal. Il faut que je comprenne. Tout comme demain, on va encore critiquer Félix, on les critique, non? On crée tout le monde, ce qui est normal quand on a occupé des postes importants. Il y a des gens qui sont d'accord avec vous, des autres qui ne sont pas d'accord. C'est ça la vie politique. Mmh, avec Tshisekedi dit, le Congo peut prendre un autre virage. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un tournant historique. Pour tout Congolais qui est conscient, faisons par tous les moyens pour que Félix réussisse. S'il va réussir, ce n'est pas pour lui. C'est pour la vie de nos enfants, de nos petits-enfants. Parce que ce pays ici est sous contrôle des étrangers. Jusqu'à présent. Il a parlé de l'indépendance économique. Qui contrôle les mines? C'est vous? Qui contrôle toutes les forêts? C'est vous? Merci beaucoup, M. Freddy Moulumba. Merci beaucoup, M. Jean-Félix Senga, surtout pour le témoignage que vous avez donné pour l'Afrique du Sud. On va le relayer sur nos réseaux de façon indépendante. Merci beaucoup, M. Freddy. Merci, M. Jean-Félix. Merci, chers téléspectateurs. La campagne continue. On se retrouve donc demain avec d'autres personnalité politique pour parler Congo. À demain.